Salam alaikum, Mazoul, bonsoir. Dans ce qu'il est convenu d'appeler désormais l'affaire Ben Hadid, je ne veux présumer de rien. Encore moins m'engouffrer dans des boulevards ou d'autres. Et je ne veux surtout pas prêter d'intention au général, quelle qu'elle soit, à la suite de ces déclarations. Déclarations qui lui ont valu presque 10 mois de prison, il faut le rappeler. Par ceux qu'il a ciblés et qui ont utilisé contre lui cette chose qu'on appelle justice, une pseudo-institution dévoyée à un point où elle est devenue un outil au service de ceux qui s'en servent un peu comme ils veulent pour jeter des gens en prison, fermer des journaux, humilier d'autres, déshonorer d'autres, ou pour laver des criminels avérés. Je ne sais pas si le général Ben Hadid est dans une logique de règlement de compte entre clans ou non. Je ne sais pas les raisons profondes qui le motivent. Je ne sais pas ce que sont les objectifs qu'il recherche. Je ne sais rien. Et je crois qu'il n'est pas vraiment important de toute façon de le savoir. Parce que le fruit qui a germé est plus tangible que la graine qui a été semée. Oui. Qu'importe les raisons, puisque ce qu'elles ont provoqué est si crucial. Tout ce que j'aurais retenu de ces déclarations est que cet homme a provoqué un déclic qui peut être décisif, qui pourrait ouvrir une phase nouvelle dans la tragédie algérienne qui continue de peser sur nos têtes et qui est toujours susceptible de nous replonger vers les plus sombres perspectives, même si tout est entrepris pour nous convaincre que la page est tournée, que le pire est passé. En vérité, et tant que la vérité ne sera pas faite sur ces années sanglantes, tant que les Algériens continueront d'être entretenus dans des thèses erronées, savamment falsifiées, par ceux-là même qui ont plongé le pays dans le malheur, nous ne sortirons jamais de la terrifiante tragédie que nous avons vécu et qui pourrait du jour au lendemain se raviver de nouveau sous l'effet des vents mauvais qui pourraient encore souffler sur notre destin. Ce déclic que Ben Hadid a déclenché a été sa déclaration sur le contrôle du terrorisme par certains noyaux de l'armée et des services de sécurité. Quand il a publiquement déclaré que Qada Ben Shiha, l'émir du Jia, et qui a perpétré d'atroces carnages contre les populations civiles à l'ouest du pays, était en fait sous le contrôle d'un puissant général. Ce déclic que Ben Hadid a déclenché, c'est quand il a déclaré que les généraux s'étaient réunis à Ain Najah juste après le premier tour des législatives de 1991, et qu'ils avaient, ces généraux, décidé d'arrêter le processus électoral malgré le risque de guerre civile que cela risquait de provoquer. Et il ne faut pas perdre de vue pour évaluer ces révélations à leur juste mesure, qu'elles ont été faites par un général qui était, au moment des faits, dans le noyau central du commandement militaire. Il ne faut pas perdre de vue que le général Ben Hadid est une sorte d'archétype du militaire algérien, tellement imprégné de son appartenance à l'armée qu'il est juste inimaginable qu'il puisse lui porter tort ou attenter à son honneur. C'est pour cela, et à double titre, que ces déclarations au sujet des causes de la tragédie et de l'instrumentalisation du terrorisme ne sont pas seulement une chance pour l'Algérie d'aller vers une vraie réconciliation, mais aussi et surtout pour l'armée algérienne de laver son honneur et de se désengager de l'emprise de ceux qui l'ont utilisé à des fins de pouvoir, à des fins personnelles, et dont il suffit aujourd'hui d'évaluer leur fortune pour savoir pourquoi ils ont mené le pays tout entier à la boucherie. Ben Hadid peut faire mal, très mal, à certains hauts gradés qui ont plongé le pays dans le malheur, mais il ne fera jamais de mal à l'armée. Bien au contraire, puisque son attitude procède de la vérité et de l'honneur. Ses déclarations sont d'une importance capitale, parce qu'elles pourraient ébranler une vraie dynamique de réconciliation. Ben Hadid a eu le courage d'assumer sa propre responsabilité dans la tragédie, parce qu'en disant ce qu'il a dit,
Il a rendu justice aux victimes innocentes d'un véritable complot. En ce faisant, Benhadid vient de montrer le chemin de l'honneur à tous ceux qui hésitent encore et qui sont dans le désir ardent de soulager leur conscience, dans le besoin de faire sortir le pays de la spirale infernale dans laquelle il a été plongé. Oui, tous ceux, hommes d'honneur et de devoir, qui sont dans l'expectative, qui sont sur le fil du rasoir, qui craignent de porter atteinte à leur famille de cœur, à cette armée à laquelle ils appartiennent corps et âme, tous ces hommes savent désormais qu'ils peuvent dire et qu'ils peuvent témoigner de l'horreur dans laquelle ils ont été entraînés, sans pour cela être considérés comme des traîtres. Parce que le traître est celui qui a entraîné son peuple dans la tragédie de façon froide, délibérée, en sachant où il allait, en jaugeant le nombre de victimes avant qu'ils ne se produisent, comme s'il allait mener du bétail à l'abattoir. Le déclic que Benhadid a déclenché peut entraîner une saine et salutaire adhésion. Benhadid est peut-être celui qui aura lancé une dynamique de vraie réconciliation, qui aura commencé non pas seulement par livrer la vérité telle qu'elle s'est déroulée, mais aussi l'expression de vrais regrets, d'une vraie repentance. L'heure est peut-être venue de dire ce qui s'est passé, de demander pardon aux victimes de la tragédie, aux victimes et à leurs familles. Ce sera peut-être le début d'un nouveau départ, des retrouvailles entre fils d'un même peuple, d'une même patrie, pour que vienne enfin l'heure du grand pardon. Aujourd'hui. TSA. Les déclarations du général Benhadid, nouveau défi à Gaït Salah, par Yassine Babouche. Al-Watan. Deux textes sur le devoir de réserve publiés au journal officiel, les anciens militaires sommés officiellement de se taire, par Majid Mardi. L'information en continu. L'Algérie, le général Benhadid tire à boulet sur le pouvoir algérien. Avec nous aujourd'hui pour en parler, Hicham Abboud, journaliste, directeur du journal Mon Journal, directeur du journal Jaridati, qui nous parle depuis la France. Ramdan Hamlet, qui nous parle depuis la France parce qu'il a été exilé, parce qu'il a été poussé à quitter son pays. Je le rappelle, je ne le rappellerai jamais assez. Ramdan Hamlet, ex-colonel, qui nous parlera depuis Alger. Et nous invitons aussi pour une courte intervention Om Aziz, mère de disparus, Madame Laribi, mère de disparus, Madame Romili, mère de disparus, qui ont quelque chose à nous dire. Nous n'arrivons pas encore à joindre Hamlet Ramadan, nous faisons tout ce qu'il faut pour essayer de le joindre, et Hicham Abboud est avec nous. Merci Hicham d'être avec nous. Bonsoir, et c'est moi qui vous remercie de me faire l'honneur de m'inviter pour me prononcer sur un sujet si important, celui de la mise en détention illégale du général Benhadid pour avoir d'abord émis des opinions en tant que citoyen libre et pour avoir apporté un témoignage dont le peuple algérien est en attente depuis plusieurs années. On dit que les deux lois qui viennent d'être passées dans des conditions très opaques l'ont été surtout pour le réduire, pour réduire le général Benhadid au silence. D'abord, qu'est-ce que vous pensez de ces lois ? Ce que je pense de ces lois, c'est que d'abord, le régime algérien n'a jamais respecté les lois qu'il a pendues, qui étaient pourtant faites sur mesure pour lui. Il ne les a jamais respectées. Pour ce qui concerne cette loi concernant l'obligation de réserve, entre guillemets, parce que non seulement les militaires sont soumis à l'obligation de réserve, mais aussi toute personne civile qui a eu à assumer des responsabilités à quel niveau soit. Cependant, je dois dire que celui qui veut museler le militaire qu'il sort à la retraite ne connaît rien à l'histoire de l'AMP et de l'AMP, parce que cette AMP est issue d'une armée de libération nationale qui a été formée
par les enfants du peuple et n'a pas été issu des écoles militaires ou des académies militaires. Bodéjam, je vais vous interrompre parce qu'il y a comme des petites coupures. Nous allons vous garder en Skype et vous appeler au téléphone. Comme ça, on vous entendra mieux. Et je reçois Hamlet Ramadan. Merci d'être avec nous, Hamlet Ramadan. Bonsoir, Monsieur Jamel. Bonsoir à Bonsoir. votre invité et aux téléspectateurs de Maghrebia. Merci. Alors, Hamlet Ramadan, d'abord, même question. Permettez-moi, Monsieur Jamel, une petite seconde Oui, je vous en prie. Pour présenter mes excuses à vos collègues de Tanger, parce que j'étais dans un endroit où le réseau était. Il y avait coupure de réseau. Et pour participer à votre émission, j'étais obligé de me déplacer à peu près à une vingtaine de kilomètres par rapport au lieu où j'ai été. Ah ben très bien. En tout cas, nous leur transmettrons. De toute façon, ils sont à l'écoute, donc ils vous ont écouté. Et je vous remercie de vous être donné tant de peine pour être avec nous. Alors, je vous pose la même question que pour Hicham Aboud. D'abord, quel est votre avis sur ces deux lois qui viennent d'être pondues, validées Monsieur Jamel, concernant ces deux lois. Allô? Oui, on vous Vous écoute. entendez entrecoupé, Monsieur Jamel. Là, on vous écoute, on vous écoute. Au sujet des deux lois, on a trop parlé déjà de ces deux lois et on a donné notre avis. Le droit de réserve ne touche pas uniquement les militaires, quel que soit le grade, surtout les officiers supérieurs. Mais normalement, c'est une affaire ou c'est un problème de tous les cadres de l'État quand ils sont en activité. Je dis bien quand ils sont en activité. Une fois mis à la retraite, on récupère ce qu'on n'avait pas droit quand on était sous le drapeau. Et donc, on n'a pas le droit de parler des secrets professionnels. Mais donner mon point de vue. Sur tout ce qui touche à la vie de mon pays, que ce soit politique, économique ou sociale, je pense que c'est un droit le plus absolu de n'importe quel citoyen algérien. Donc moi, je m'exprime librement sur des sujets d'ordre politique, économique et social, à condition que je respecte les responsables, je respecte les institutions de l'État, sans que je rentre dans une, critique qui est pas porteuse, qui est pas constructive. Voilà la preuve, je suis avec vous, je m'exprime, je vais répondre à toutes vos questions. J'ai répondu aussi à des questions à vos collègues j'étais il y a 2 jours de ça avec le journaliste Redman. Et j'ai répondu aux questions qu'il m'avait posées. Oui, mais Hamlet Ramadan, Hamlet Ramadan. Quotidiennement sur des quotidiens arabophones et francophones en Algérie, et aussi sur des chaînes de télévision privées et publiques. Donc, il faut savoir répondre aux questions, il faut être très intelligent pour faire passer ces messages, et pas forcément en insultant ou en. Des personnalités politiques ou militaires sans que toucher aux institutions de l'État. Mais Hamlet Ramadan, Hamlet Ramadan. Pour moi, c'est la ligne rouge. Hamlet Ramadan. Qu'il faut pas. Est-ce que vous m'entendez, Hamlet Ramadan? Il y a un problème, il ne m'entend pas, Hamlet Ramadan. C'est le droit le plus absolu de n'importe quel Algérien, mais à condition qu'on fait ça. Restez avec nous, je crois qu'on vient d'être coupé. J'espère qu'il va être retrouvé, Hamlet Ramadan, et que le problème va être réglé. Je reviens à Aboud Hicham avant de recevoir nos 3 amis, maman des disparus forcés. Hicham Aboud, justement, au sujet de cette loi, aujourd'hui, il y a des gens qui s'accaparent, qui s'approprient la notion d'Algérie. Hier, par exemple, il y avait avec moi un général-major à la retraite. Il nous a accusés de porter atteinte à l'Algérie parce qu'eux considèrent que celui qui les dénonce attaque l'Algérie. Ça veut dire que l'Algérie, c'est eux, ce sont ces gens.
Et plus que ça, ils nous accusent de porter atteinte à l'Algérie depuis l'étranger, comme si on avait le choix, alors qu'eux-mêmes, par exemple pour parler d'El Magharibia, eux-mêmes nous interdisent d'ouvrir un bureau à Alger et ils nous reprochent de parler d'ailleurs. Qu'est-ce que vous en pensez, Abou Deschamp? Alors, avant de répondre à cette question, permets-moi, cher ami, de poursuivre mon raisonnement pour ce qui concerne la question première concernant la loi qui oblige les militaires à la retraite de ne plus s'adresser, de ne plus s'exprimer. Alors, comme je disais, ceux qui ont pondu cette loi ne connaissent rien à l'histoire de l'armée algérienne. Et je dois leur rafraîchir la mémoire que l'armée algérienne est une armée donc issue du peuple, une armée très politisée. Personnellement, durant les 17 années passées dans l'armée algérienne, le seul diplôme militaire que j'ai obtenu à l'Académie militaire de Chefchaouen, au bout de 6 mois de formation, est un diplôme de formation politique. Diplôme Tekwin Siyasi. C'est le seul diplôme militaire. Donc, c'est-à-dire, en tant que militaire, on m'a formé politiquement. Voilà. Et aujourd'hui, on veut nous museler, nous interdire de parler de politique. Il reste aussi une chose, cette loi a été faite sur mesure au moment où le général Benhadid était détenu illégalement à la prison de l'Arras. C'était pour lui préparer un texte pour lorsqu'il le passe devant un tribunal, ils auront donc un texte de loi pour le condamner. C'était ça, c'est minable, c'est mesquin comme procédé. Pour revenir à votre question concernant ce général Mujahed Abdelaziz, je l'ai écouté hier. Je l'ai écouté et je trouve que ce bonhomme est dans son élément. Ce bonhomme, déjà, j'ai eu à le croiser sur la chaîne Magharibia lorsque le général Tartag a été nommé conseiller du président de la République en tant que conseiller à la sécurité, et lui ne voulait pas reconnaître cette nomination sous prétexte qu'elle n'a pas paru sur le journal officiel, sous prétexte que ce ne sont que qu'une information rapportée par la presse et qu'il ne croit pas la presse. Finalement, à l'époque, moi j'avais dit que le général Tartag a été nommé comme conseiller à la présidence pour préparer la succession du général Toufir. Et c'est ce qui s'est passé un mois pile poil, au jour le jour, c'est le 15 septembre 2015. Ce général Abdelaziz, Mujahed. Alors, ce que je veux lui dire, quand un collègue à lui a été arrêté de manière hollywoodienne, a été mis en prison illégalement, que ce soit à tort ou à raison, normalement, pour l'honneur de l'armée, il doit s'insurger. Qu'a-t-il fait? A-t-il bougé le petit doigt? Il n'a pas osé prononcer ne serait-ce qu'un mot de soutien au général Benhadid, parce que cet homme était un opportuniste, je le dis en connaissance de cause. C'est un opportuniste, et puis il a un passé noir dans l'armée algérienne. Pendant la décennie noire, la décennie sanglante plutôt, où les Algériens s'entretuaient, cet homme faisait partie des tueurs, des criminels, je le dis, je le répète, et s'il a un gramme d'homme, ben qu'il me poursuive en justice pour diffamation, parce que je peux lui apporter toutes les preuves. Maintenant, quant à dire que nous parlons de l'étranger, je le mets au défi. S'il a un gramme d'homme, s'il est un homme à un gramme, qu'il me ramène mon passeport, il me verra à Alger. Je le mets au défi. Voyez-vous, je le mets au défi. Eh bien, si je parle étranger, parce que je suis contraint et forcé. Je lui rappelle que depuis 92, que je m'exprimais, depuis que j'ai quitté l'armée en 92, je m'exprimais. Dans mes journaux, on me les a suspendus, on me les a arrêtés, on m'a mis sur la paille. On m'a tout pris, et en plus j'avais collectionné 8 condamnations à des peines de prison pour délit d'opinion. Alors moi j'ai parlé en Algérie, c'est Mujahed. Quand on voit aujourd'hui l'Algérie devenue la risée du monde, du fait de la guerre civile dans laquelle on l'a entraîné, et il a fait partie de ceux qui l'ont entraîné dans cette guerre civile,
Moi, je défends l'Algérie quand je dénonce les pratiques mafieuses de ses dirigeants. Je défends l'Algérie quand je dénonce les prédateurs qui ont appauvri un pays riche. Je sers l'Algérie, je défends l'Algérie et les institutions militaires quand je dénonce tout ce gang de brigands qui ont mis l'Algérie à genoux. Lorsque j'ai été traduit devant le tribunal du Sindé, où était M. Medjahed ? J'étais devant, traduit devant le tribunal du Sindé. Mais Hicham, oui. Ces gens, ils sont en train de dire publiquement, en direct, à la télévision, comme hier par exemple, ils sont en train de s'identifier, eux, à l'Algérie. Ils sont en train de dire, qui nous attaque, attaque l'Algérie. Celui qui attaque Flan, Gda, est en train d'attaquer l'Algérie depuis l'étranger. Ils le disent, ils ne craignent pas de le dire. Et leur larbin, leur baltagien disent la même chose. Quand vous attaquez, ou vous dénoncez plutôt ces gens pour ce qu'ils sont et pour ce qu'ils font, on vous dit, ah, vous êtes en train d'attaquer l'Algérie depuis Londres. C'est ça le problème. Ça veut dire que ces gens ont fini, je ne sais pas s'ils y croient eux-mêmes, par s'identifier totalement à l'Algérie, une Algérie qu'ils ont ruinée, qu'ils ont pillée, qu'ils ont ensanglanté, qu'ils ont endeuillé, et ils se disent, non, l'Algérie, c'est nous. L'Algérie, ce n'est pas eux, c'est moi. Et tous ces Algériens appauvris par leur politique. Moi qui n'ai jamais possédé un logement, moi qui n'ai jamais possédé un lot de terrain, qui n'ai jamais construit ne serait-ce qu'une bicoque, moi qui n'ai jamais eu un compte bancaire garni en Europe, d'ailleurs bien que je vis en Europe et je travaille en Europe, mais j'ai juste de quoi vivre. Donc l'Algérie, c'est cette majorité qui a été appauvrie et non pas ce Medjahed et ses parrains. D'accord ? Donc l'Algérie, quand on dénonce les pratiques mafieuses, c'est pour défendre l'Algérie. Et comme je disais tout à l'heure au tribunal du Sindé, quand j'étais traduit pour la mafia des généraux, j'avais maintenu tout ce que j'avais écrit dans la mafia des généraux et j'avais apporté la preuve que tout ce que j'avais écrit, c'était pour défendre l'honneur de l'armée en dénonçant une poignée d'officiers généraux qui ont souillé son honneur. Je reviens à vous dans un moment, Aboud Hicham, pour vous demander de nous dire si ces déclarations de Ben Hadid peuvent représenter une chance pour tous les hommes d'honneur qui sont au sein de l'AMP pour pouvoir enfin aller vers une vraie dynamique de réconciliation, vers leur peuple, pour que tout le monde, tous les acteurs de la tragédie rouge ou noire, quel qu'ils soient, de quelque camp ils se trouvent, se rencontrent tous et reconnaissent tous et disent tous ce qui s'est vraiment passé. Je reviens à vous dans un instant et je reçois à présent Om Aziz qui est avec nous. Om Aziz. Om Aziz. Alain Bek, Om Aziz, merci. Allô. Merci Om Aziz d'être avec nous. Salam alaykoum. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Merci. Salam alaykoum, monsieur Ben Chennouf. Bonsoir pour vos invités. Merci. Merci Om Aziz. Attendez, je vous en prie. Oui. Vous vouliez intervenir pour parler au sujet de ces déclarations de Ben Hadid et au sujet de la tragédie algérienne qui, en tout cas pour vous, pour les familles de disparus, n'est pas terminée, n'a pas été enterrée et elle n'a pas connu de réconciliation. Je vous en prie. Oui. Alors, moi, ce que je dirais, ce qu'a dit le général Ben Hadid est un acte vraiment courageux et je le remercie pour ça. Il a dit que des vérités et nous, ça nous a vraiment encouragés, nous les familles, je parle au nom de toutes les familles. Et que moi, personnellement, je voudrais bien que tous les gens qui sont dans l'armée, les gens propres, même les gens qui sont à la retraite, qu'ils nous disent qu'il y a la tragédie noire, l'Ashriya Saouda, qu'est-ce qu'ils ont fait de nos enfants? Voilà. Qu'est-ce qu'ils ont fait de nos enfants? Et puis nous, après tout, on est des Algériens, on est des musulmans, on est des croyants. Donc, nous, on voudrait bien savoir qu'est-ce qui est arrivé à nos enfants. Nous, les familles, on ne demande pas l'impossible. On veut la vérité sur ce qui s'est passé pour la tragédie, que nos enfants sont partis dans la tragédie. Et en plus, je parlerai de la réconciliation nationale quand ils disent
درنا المصالحة. أي مصالحة؟ المصالحة، ils ont fait la réconciliation qui a couvert le tueur et qui a condamné des innocents. Donc moi, j'interpelle tous les gens, tous les militaires, et je les encourage à nous dire tout ce qui s'est passé au sujet de nos enfants. Et croyez-vous bien qu'on voudrait bien savoir la vérité sur le sort de nos enfants. Et c'est à partir de là qu'ils peuvent dire qu'il y a eu une réconciliation et qu'ils demandent le pardon. Parce que nous, moi, mon fils, quand ils l'ont pris de la maison, il était vivant. Et je connais le corps qu'il a pris, je connais le capitaine qui a procédé à l'enlèvement. Croyez-vous bien, monsieur Benchenouk, moi je dépose une plainte au tribunal en dénonçant le nom de la personne avec et le corps de la où travaille la personne. Quand on me répond, quand on me donne une réponse, on me dit Dodd-Medjhol. Comment? Moi je dénonce la personne, tout me prononce Dodd-Medjhol. Donc s'ils veulent qu'il y ait une réconciliation nationale avec tous les Algériens, nous sommes des Algériens et nous n'avons pas un pays de rechange. Nous avons l'Algérie qui est pour tous les Algériens. Donc moi je leur dis de venir, d'avoir du courage et de raconter ce qui s'est passé et de se retrouver autour d'une table et de discuter et de demander le pardon. Et après, on verra. Voilà ce que j'ai à dire. Barakallahu fikoum, Aziz. Avec nous, Madame Laribi, elle aussi, maman de disparus qui voudrait parler, elle aussi. Madame Laribi, marhaba bik. Madame Laribi. Est-ce que Madame Laribi est avec nous, s'il vous plaît? Faqadnaha, est-ce que Madame Romili est avec nous? Très bien, on va essayer de les joindre de nouveau et nous avons retrouvé Ramadan Hamlet qu'on a perdu à un certain moment. Ramadan Hamlet, vous êtes avec nous? Ramadan Hamlet? Est-ce que Ramadan Hamlet est avec nous, s'il vous plaît? Oui, je suis avec vous, je vous entends. Très bien, on vous entend. Ramadan Hamlet, Oum Aziz était avec nous, c'est une maman de disparue et vient de lancer un appel vraiment, comment dire, très émouvant, où elle dit nous voulons savoir la vérité sur ses enfants et nous appelons les hommes d'honneur de l'armée à venir nous parler, nous dire ce qui s'est passé, du moins pour ceux qui savent. Pour ceux qui ont connaissance de ce qui s'est passé, nous avons besoin de nous retrouver tous autour d'une même table et nous avons besoin de les entendre nous demander pardon et après nous verrons. Qu'est-ce que vous pensez de cet appel que vient de lancer Oum Aziz? Écoutez, j'ai entendu son intervention vers la fin, mais je me mets à sa place en tant qu'être humain, en tant que citoyen algérien. Je sens la douleur que tous les parents des disparus sentent. Sauf que moi, c'est vrai, je suis un militaire, j'étais un petit gradé à l'époque, donc je n'ai aucune information. Je vous jure que je n'ai aucune information concernant les cas des disparus, que ce soit disparus, quel que soit. Son appartenance, disparu algérien, ses victimes de la disparition. Donc je ne peux pas avancer des choses, donc je n'ai pas d'informations crédibles pour dire ce qui s'est passé réellement avec ces disparus. Je vous jure que je ne comprends rien de concernant ce dossier. Mais je comprends, je compatis avec les parents des disparus. Et je pense qu'ils ont le droit de réclamer la vérité, de réclamer voir le sort de leur. Et maintenant, c'est un dossier, c'est vrai, c'est un dossier très, très difficile, mais qu'il faut discuter, qu'il faut
auxquelles il faut trouver, à mon sens, des solutions. Mais est-ce que vous-même, Hamlet Ramadan, est-ce que vous-même, vous êtes pour ceux qui sont en train d'appeler à une vraie réconciliation qui puisse partir d'abord de la vérité, que toute la vérité soit faite, ensuite qu'il y ait de vrais regrets, l'expression de vrais regrets, et enfin demander pardon et aller vers une vraie réconciliation pour forcer un peu le blocus de ce dispositif scélérat qui s'appelle réconciliation nationale et qui n'en est pas du tout. Est-ce que vous êtes pour cette dynamique qui consiste à dire la vérité, à la faire éclater, qu'on sache enfin qui a fait quoi? Monsieur Djamel, montrez-moi un Algérien qui ne veut pas vivre en Algérie en tranquillité pour prospérer à un meilleur avenir. Je ne pense pas qu'il y ait des Algériens qui sont pour la violence ou pour détruire leur pays. Les Algériens aiment beaucoup leur pays. Donc, à mon sens, tout le monde, tous les Algériens, cherchent à vivre en paix, cherchent à vivre avec son proche, avec ses voisins, avec tout autre lien, en harmonie, en solidarité. Donc, je ne pense pas qu'il y ait des Algériens qui mettent l'Algérie en feu et en sang. Donc, ce dossier, comme je vous le disais, est un dossier très épineux. Mais il n'y a pas un problème au monde, il n'y a pas un problème qui n'a pas de solution. On peut trouver des solutions à ce problème. Il suffit uniquement de discuter, de dire, pour trouver les meilleures solutions possibles. Et toute partie doit comprendre, doit connaître l'issue ou la solution du problème qui est vraiment lourd. Et si on va résoudre ce problème, je pense que la réconciliation nationale soit faite et promulguée et votée par le citoyen. Restez avec nous, Frat Hamlet, on ne vous entend plus, on vous entend à peine, donc on va voir avec le soutien technique. Et je reçois à présent Madame Larebi, maman de disparus forcés. Madame Larebi, marhaba bik. Marhaba bik. Ahlan. Merci d'être avec nous. Tfadli, Madame Larebi. Bonjour pour Qarat al-Magharibiya. Oui. Tout comme vous êtes. Nous vous souhaitons toujours une longue vie et beaucoup de courage, Inch'Allah. Merci. Bon, moi, merci beaucoup, c'est très gentil de votre part. Et on vous passe un grand bonjour à tout le monde de Qarat al-Magharibiya. Merci. Bon, je parle de M. Hossein Bouchadi, le général. Donc, il a le courage de dire la vérité. C'est ce qu'on voulait entendre pour tous les généraux. On espère bien que tous les généraux ils vont tous dire la vérité et éclairer la vérité pour les disparus enlevés à domicile, dans la famille. Ça fait 23 ans de ça, je n'ai pas vu mon fils à ce jour, aucun signe de vie, de mort ou de vie. Et je suis toujours à sa recherche, je suis toujours dans la rue. À chaque mercredi, je ne m'absenterai jamais, je suis parmi les familles, toutes les mamans. Je dis bien que je ne suis pas seule. Alors à ce jour-là, 23 ans de ça, j'ai perdu ma vie, j'ai perdu ma santé. Je l'ai perdu dans la rue. Je cherche mon fils, toujours je suis à sa recherche, comme toutes les mamans. Alors qu'on espère que tous les généraux, on leur dit « Taqullah, arji'u li rabbi ala, khoul al-haqiqa, mada jara fi ladna, qu'est-ce qui s'est-il passé pour nos enfants? Où vous avez mis nos enfants? Est-ce que nos enfants, ils sont morts ou ils sont vivants? On est toujours à la recherche de nos enfants. » Et il y a des mamans, on a perdu des mamans parmi nous, elles sont mortes, elles veulent savoir la vérité, mais hélas, Allah ghalib, rahimahum Allah, rahou daw al-sharqa nta ouladhum, fiqlubhum, et que Dieu ne va pas pardonner ça, ala khatr que lukan ouladna, ils ont trouvé au maquis, ou bien ils les ont trouvés dans la rue, l'qaw slah qui diurna, dakhlou l'dar, mouti tchoum, mouchekou hitta hada. Alors mon fils est étudiant, il a vu à peine, même pas 18 ans.
Alors, il était étudiant. À ce jour-là, je n'ai pas vu mon fils. Donc, ce qu'on a voulu dire, que nos enfants, ils sont enlevés dans notre pays, disparus dans notre pays, enlevés par notre, par l'armée de notre pays. Nos enfants, ils ne sont pas à l'étranger, ils ne sont pas hors de notre pays. Alors, c'est ce qu'on voulait, c'est ce qu'on veut, toutes les mamans, toutes les familles, femmes, hommes, épouses, ou bien filles, garçons, tout le monde, ils sont à la recherche de leurs enfants. On attend toujours, à chaque fois qu'il y aura la grâce, on attend que nos enfants, ils vont revenir. Jusqu'à maintenant, on ne peut pas dire que nos enfants, ils sont morts. Parce qu'on n'a pas vu encore le corps de nos enfants. Si on a vu, le corps, on a vu la tombe de nos enfants, qui nous disent, voilà, vos enfants, ils sont là. Ils sont enterrés là. Vos enfants, ils sont morts. Il faut les... Alors donc, darul moussalaha, moussalaha li darouha, chnama, naqas, nashki malaz malhal, khatat li moussalaha li tkhouna chna, darul moussalaha li nas wajdokhrim, li chna, itmahna rana magdouri. حنا رانا غدونا خدعونا باسكو هذه المصالحه حنا ما قصدناش مازلنا رانا علاش ما يقولوناش الحقيقه يخلونا تشوفونا رانا فوق التروطوار انا ما يشوفونا كل اربعه كل اربعه تولي لي سكوزي اون لا كل كي ديال بانو ديك حي اون با سارونجي اون باردون نونتر نو سوا كو سوا احنا نتسامحوا بيناتنا نتصالحوا بيناتنا صح داروا المصالحه داروها بيناتهم كملوا كلش تسدلوا كلش جهدوا كلش ومن بعد جاونا قالولنا نديرو المصالحة اون فاتارونجي اون فاتارونجي تو مي اللي داروها حنا ما فادتناش هذه هي حنا الى يومنا مازال رانا نحوسو على الحقيقة ونتم الحقيقة ويتم الحقيقة الى بقات ام وحدة مازالت على ارض الحياة راح مازال توقف على وليدها لتقول لاجل الحقيقة بوغ لا فيغيتي اي لا جوستيس قولنا وراهم ولادنا خلونا ندخلوا لديورنا On a marre du froid, on a marre du chaud, on a marre dans la rue. Veillez à nos chababna, veillez à nos soirna, veillez à nos sachetna. Faisons pas ou chna qa'adim, chitez wahid ma chakina. Alors moi j'ai dit pour ces généraux, m'enfadalkom khafou rabbi, ou khudro li kayin billik rabbi a'la man kullashi, ou li ajl al shuhada li dhahaw ala hadal blad jabu ha rajal, ou tahaw ala ha rajal, an'am, ou jahdu ala ha rajal, ou gada kan fi ust hada rajal, وانا ثاني سجنت عند استعمار مكدوني جيش الاستعمار نعم يرفضوني جيش الاستعمار وجبت شعري في يدي قطعوا لي شعري داروا لي لاكروا فوق راسي مازال مشهود الناس طالعين بي مازالوا مشهود عليا ويقولوا لي يا مدام رفضوا لك وليدك وعلاش ما تروحيش ليزونسيا مجاهدين يبينوا لك الحقيقه وين راهي الحقيقه وين راهم المجاهدين وين راهم الشهداء الابطال الاحرار اللي ضحوا عليها على هذه البلاد يا للاسف خافوا ربي خافوا ربي حتى حاجة ما تدوم في هذه الدنيا هذه لا يدوم الدراهم لا يدوم السرقة لا يدوم الخداع لا يدوم الكذب لا يدوم غير الله في ملكه لا يدوم غير الحقيقة من فضلكم قولوا الحقيقة لهذه الأمهات لهذه الأسر لهذا الشباب اللي راهو ضايع لهذه الأمة كلها اللي راه مهبول اللي راه مهبول اللي راه كل حاجة رانا مضرورين من فضلكم رانا مضرورين من فضلكم أنا مازال راني مرجع في وليدي مازال راني نقول وليدي مازال حي والله العظيم والله العظيم والله العظيم ما غير مازال وليدي ما نحسوش في قلبي صدقوني كما كخواغ كو جامي جو بليغي مون انفون جو لو بليغي جامي ما ننساهش وليدي كما الأم اللي في ديزي وزو اللي بنتها اسكن صح باللي هذيك البنت الله يرحمها ويعطيهم الصبر يا اخي باش ندخل في هذيك الامر باش ندخل وقال ربي يصبرك لو كان من يقول لك الحقيقه نتاع بنتك يقول لك الحقيقه نتاع 20000 مفقود فينهم وين راهم وين داروهم ماذا عملوا في بهم واش فعلوا بهم وين دفنوهم واش من الجبال رفدتهم واش من الواد رفدهم واش من البحر صرتهم ولادنا رفدتهم من الديور يا عباد خافوا ربي خافوا الله خافوا الله اليوم القيامه رانا نتحاسبوا تم حنا ولادنا نلقاوهم في دار الحق S'il te plaît, pour nous dire la vérité de nos enfants, où sont-ils nos enfants? Qu'est-ce que vous avez fait de nos enfants? S'il te plaît, laissez ces mamans, laissez ces mamans qui rentrent chez eux, laissez ces mamans qui vont mourir en paix. Ils vont tout dans le chacun de leurs enfants. نعم ماشي ام ماشي وحده ماشي زوج ماشي 10 ماشي 20 ام فقدناها الاب فقدناه راحوا في وسطنا بلا ما نعرفوا الحقيقه نتاع اولادهم ميرسي الله يهديكم ان شاء الله الله يهديكم ما كاين ربي غير هو اقوى هو اعلى وكل من دعا بالقوه يموت بالضعف
كل من بعد القوى يموت بالضعف. Merci Madame l'Arabi. Merci, merci pour ces paroles. J'espère que des hommes d'honneur, où qu'ils soient, vous écouteront et qu'ils seront à la hauteur de votre noblesse et de votre générosité et de ce pardon qu'on sent déjà sourdre de votre cœur. Je reçois à présent Madame Romili, qui est avec nous, qui est elle aussi est une maman de disparus et qui, elle aussi, veut parler. Madame Romili, marhaba bik. Marhaba bik, khoya. Yisalmik, alam bik. Alhamdulillah, comme je l'ai dit, je m'en souviens de l'Allah, dans le monde. J'ai un fils qui est disparu depuis 97. Allô? Je n'ai pas entendu parler avec Madame Romili. Tfadli, tfadli. Oui. Je suis en 97, un père de deux enfants. J'ai aucune nouvelle de pratique. J'avais six nouvelles. Voilà. De 2001, j'ai aucune nouvelle. Je ne sais pas. Allô? Je ne sais pas, madame. Tfadli. Voilà. Je ne sais pas, je ne sais pas. Ils ne nous donnent jamais la vérité. Quand? Madame Romili, لو كان يجيك واحد يجي واحد يقول لك مدام على بالي ابنك وراه والله واش صرا له وهم ظروف وهم كذا يا هلا ترتاحي حتى اذا يقولوا لك بعيد الشر على كل حتى اذا يقولوا لك ابنك توفى وها وراه ونطلبوا منك سماح مهما يكون رد الفعل تاعك. Vous croyez ça? Je pense pas. Et vous n'espérez pas que des gens vont pouvoir se dire qu'il faut mettre fin à vos souffrances, à votre attente? Je m'excuse, j'ai eu une nouvelle. Je savais où il était quand il a été avec nous à DRS. Il a été un an et demi au mal de thématique. فهمتني؟ نعم. من بعد قالوا لي بلي فون ترونسفيري ا بليدا. دونك خرجوا بعض الناس قالوا لي مي مون با دوني يعني لا فيريتي. خافوا ما هدروا لي والو. فهمت؟ جاتني باسكو ما جي بيردو ما في. جي بيردو ما في ضربة تاع الحملة تاع باب الوادي على لي سي كات انفون. وجاتني مرا كان وليدها تما. هذيك المرا جي بلو ما زدتش شفتها كامل. سكي فيه قالوا لي راهو في البليدة. J'ai écrit des lettres, je suis dit, Et tout le monde يعني حط في الجورنال وحطاني ما شرعوا لهمش. فوالا. خلاوهم هكذاك ما على باليش يشتروا بولادنا. بارك الله فيك مدام العريبي يعطيك الصحة ربي إن شاء الله يعطيك الصبر وبارك الله فيكم عن صمود وعن cette quête pour la vérité, ce courage, ce grand courage. Merci beaucoup. Nous n'avons pas pu joindre Hamlat Ramadan, malheureusement. Je reviens donc à Aboud Hicham. Aboud Hicham, vous avez entendu donc ces femmes courage, ces mamans qui se battent depuis si longtemps, depuis des décennies maintenant, chaque semaine qui battent le pavé, qui réclament la vérité sur le sort qui a été réservé à leurs enfants, qui refusent de perdre espoir de les retrouver vivants malgré la situation et qui viennent de nous dire maintenant qu'ils n'espèrent que des gens se lèvent, des hommes d'honneur qui disent « Oui, nous savons ce que sont devenus vos enfants, nous savons ce qui est arrivé et nous devons aller vers une, comment dire, vers une dynamique qui puisse nous permettre de tous nous réconcilier et de tous nous pardonner les uns les autres. » Qu'est-ce que vous pensez, Aboud Hicham? D'abord, bon, c'est poignant d'écouter des mamans pareilles, nous avons tous des mamans, nous sommes des parents, nous aussi. Puis ces femmes-là ne sont que deux ou trois
de milliers de femmes, de milliers de mamans, de milliers d'épouses, de milliers de papas, de milliers d'enfants qui ont perdu leur père, qui ont perdu des parents, qui ont perdu leur fils. Hein, on parle de 12 000, 14 000, 23 000 disparus. Autant de familles algériennes endeuillées. Qui les a endeuillées? C'est ce monsieur général-major Abdelaziz, comment, rappelez-moi son... Mjahed. Qui était à Buira, chef du bureau opérationnel. Il faut lui demander. Il fallait lui ramener ses femmes hier pour qu'ils le répondent où sont leurs enfants. Il est parmi ceux qui ont fait disparaître des Algériens, ce Mjahed. Voyez-vous? Donc, ceux qui sont à l'origine du drame algérien, où sont-ils aujourd'hui? Ils ont arrêté ces enfants, ces hommes. Ils ont arrêté sous prétexte que ce sont des terroristes qui luttaient contre les terroristes. Aujourd'hui, on voit bien comment ils traitent les chefs terroristes. On voit bien la Yada, l'ancien chef du GIA, comment il fait les bousses-boussades avec les dignitaires du régime. On voit bien comment Madani Mouzaraï, hein, côtoie ses grands, il est l'ami des grands patrons des services de sécurité. On l'a même vu faire la bise au général Smaïl quand il le rencontrait au maquis. Hein, ils font la bise entre eux. Hein. Ce sont des terroristes des deux côtés. Hein. Ce sont des terroristes des deux côtés. Et ceux qui ont payé, ce sont les enfants du peuple. C'est le peuple qui a payé. Et on continue aujourd'hui à nous sortir cette histoire de terrorisme, à nous sortir cette histoire de chaos, hein, et à nous menacer que si jamais on bouge, et ça va, on va replonger dans le drame des années sanglantes. Eh bien, il ne va pas y avoir d'années sanglantes. Et le général Ben Hadid, il faut le rappeler, il ne faisait pas partie du cabinet noir qui dirigeait le pays, il ne faisait pas partie du noyau dur, hein, qui dirigeait le pays, puisqu'il était dans un autre clan. Et c'est pour ça qu'il s'est permis de parler. Et j'aimerais bien que les autres parlent. Ceux qui étaient. Pourquoi le général Nzar ne répond-il pas à votre invitation? Invitez-le. Et vous allez voir, il va éviter de répondre. Il est invité comme eux tous. Quiconque veut venir à cette émission, Marhababé. Quiconque veut s'exprimer, dire la vérité sur ce qui s'est passé, Marhababé, il aura. Et ce sera en direct et ce sera sans bride aucune. Comme vous l'avez fait pour hier, voilà. Voilà. Hein, comme ça, il pourra vous accuser de comploter. Ah, qu'est-ce que vous voulez, hein. C'est, eux, ils ont l'habitude comme ça de regarder la situation par le petit bout de la lorgnette. Ils ont l'habitude d'espionner, donc ils pensent que les gens sont comme eux. Et ils pensaient qu'il vous a espionné, lui, justement. Alors moi, je... Oui, c'est vrai, comme Joseph Sok. Yasser Oujab Saïd Menouzenou, il ne sait pas que c'est moi qui est autorisé à être présent et à nous écouter. Il ne sait pas que c'est moi qui dis, vous savez, Abou Dicham, puisque vous avez l'habitude de venir, que je reçois en stand-by les invités, qu'il m'arrive de parler aux uns et aux autres pour préparer l'émission. Mais ouais, Yasser Oujab Saïd Menouzenou, enfin, je vais vous dire, Hicham. Oui. J'aimerais que vous nous disiez votre avis. Vous-même, vous êtes un ancien officier de l'armée. Vous étiez dans le commissariat politique. Vous étiez journaliste de l'armée. Vous connaissez l'armée dans le fond. Et vous avez gardé beaucoup d'attachement pour cette institution dont vous dites qu'elle vous a formé. J'aimerais que vous nous disiez s'il est possible que des hommes d'honneur aujourd'hui, qui ont vu ce qui s'est passé, sont capables d'aller, de sortir et de dire oui, on a vu, oui, voilà ce qu'on a vu, oui, voilà ce qu'on a fait, voilà ce que, et nous demandons pardon et nous avons fait ça pour le bien du pays, on ne l'a pas fait pour de l'argent ou pour autre chose, contrairement à d'autres, mais nous voulons dire la vérité sur ce qui s'est passé pour qu'enfin on commence une vie nouvelle, pour qu'enfin le pays tourne la page et commence une vie, une vraie vie, national où tous les enfants de ce pays se seront réconciliés. Abou Dicham. Écoutez, quand on est homme d'honneur et quand on voit ce qui se passait à l'époque, ce qui se tramait, on ne se laisse pas engloutir par le par ce qui s'était passé. Personnellement, en 90, j'ai dit stop. 90, j'ai vu, j'ai dit stop. Je ne suis pas rentré dans l'armée
pour servir les clans, pour servir les hommes. Je suis rentré dans l'armée algérienne, j'étais jeune étudiant, j'avais 20 ans, c'est pour servir l'Algérie, j'ai été élevé sur ça, que ce soit dans les scouts musulmans algériens, ou que ce soit à l'université, ou que ce soit l'éducation que m'a donné mon père, un vieux militant nationaliste. D'accord ? Et ceux qui sont restés après 90, évidemment, ce ne sont pas tous les militaires qui ont été entraînés dans ces crimes. Il y a certains qui ont été contraints et forcés malgré eux. Mais je ne pense pas qu'il puisse y avoir aujourd'hui quelqu'un qui a participé au massacre, qui a tué, qui a dirigé les opérations, qui vient dire « oui, moi j'ai tué ». Non, non, je ne pense pas que cela puisse arriver parce que ceux qui ont tué, ceux qui ont torturé, ce sont des lâches. Il n'y a que le lâche qui torture quelqu'un sans défense. Comment voulez-vous qu'un lâche ait un minimum d'honneur pour qu'aujourd'hui, il sorte et vous dise « oui, moi j'ai torturé ». Comment voulez-vous qu'un lâche qui a donné des ordres à partir d'un salon feutré, loin des maquis pour envoyer les enfants du peuple, s'entretuer entre eux, vienne vous dire aujourd'hui « oui, moi j'étais un lâche et j'ai donné des ordres à partir des salons feutrés de mon bureau au Tagarin ou à Inada ou ailleurs ». Non, il n'y aura jamais ça, parce que un lâche restera un lâche. Tous ceux qui ont torturé, tous ceux qui ont donné des ordres pour torturer, ce sont des lâches. Si le général Ben Hamid a parlé, c'est parce qu'il a les mains propres. Quand on n'a pas les mains propres, on ne peut pas parler. C'est lorsqu'on n'a rien à se reprocher, on se permet de parler parce qu'on a été témoin. Deuxièmement, il y a des potrans et il y a des lâches qui, lorsqu'ils voient un homme d'honneur parler, dénoncer, et comme ils n'ont pas le courage de faire, même si je parle beaucoup des civils, des pseudo-opposants, qu'est-ce qu'ils disent ? Ah, celui-là, il parle parce qu'il est couvert par tel camp, tel homme. Ah, celui-là, il parle parce qu'il règle des camps. Eh bien, ce sont ces minables et qui sont beaucoup plus nuisibles que les militaires qui ont participé dans des crimes contre l'humanité. Ce sont ces civils, ces pseudo-opposants, ces radégous, excusez le terme, qui, eux, n'arrête pas de dénoncer les hommes libres quand ils viennent dénoncer le régime, pour dire « ah, ils parlent parce qu'ils sont couverts ». Couverts par qui, et ils règlent des comptes. Ils règlent des comptes par qui? Personnellement, je n'ai eu le compte arrivé avec personne. Et tout le monde sait que, d'ailleurs, je n'ai pas été à la hauteur pour avoir des problèmes avec des généraux ou des X, des Y. J'étais un officier subalterne. Quand j'ai vu qu'il fallait se retirer, je m'étais retiré. Et quand j'ai eu à parler au général l'Arabi Belkhir, quand il me disait « pourquoi tu t'attaques à nous ?» et d'ailleurs lui-même il l'a repris dans le journal Le Monde du 2 mars 2002, où il disait, que je lui avais parlé au téléphone, j'ai dit « je n'ai aucun problème ni avec vous ni avec d'autres, vous avez un problème avec l'Algérie et moi je suis un enfant de l'Algérie, je défends l'Algérie et je profite de ma plume » pour vous dénoncer, pour merci. Vous dénoncer. Merci, Abou Hichem. Merci. Cette émission a un peu débordé de son horaire, mais c'était tellement intéressant que nous n'avons pas pu interrompre Abou Hichem avec sa fougue habituelle. Il est prenant. Donc, je voulais dire que je ne suis pas d'accord néanmoins avec Abou Hichem quand il dit qu'il ne pense pas que des gens qui ont tué ou des gens qui ont assisté, qui sont trop lâches pour pouvoir témoigner, dire la vérité et se repentir. Moi, je pense que la voie de l'honneur est toujours possible, que la repentance fait partie de l'être humain, qu'il arrive que des gens commettent de lourdes erreurs, qu'ils soient entraînés par des pulsions ou d'autres, et qu'il leur arrive aussi de regretter quand ils voient le malheur qu'ils ont provoqué et qu'ils se disent... que l'heure est peut-être venue de demander pardon aux victimes et que c'est possible que ces victimes leur pardonnent et qu'enfin que nous puissions tourner la page et ou les filgelb ou les andarbi mahoubait. Barakallahu fikum, qawala khair, bislamah.